Aujourd'hui, la team qui tourne est sur Brookhaven RP. Et mon copain m'a enfermé en prison. Mais juste avant ça, je te laisse 3 secondes pour t'abonner. 3, 2, 1, merci! Les amis, ça va pas du tout. Tarkito, je sais pas, il est déjà complètement fou. Il m'a enfermé dans la prison du donjon, dans le château, vous savez, de la mise à jour de Brookhaven. Et je suis complètement enfermée ici. Je sais pas comment je vais faire pour sortir. Oh yeah, oh yeah. Voyons, madame, si vous voulez vous échapper de la prison, vous avez qu'à faire le hobby du donjon. Je vous souhaite un bon courage. Une fois que vous avez réussi à le faire, eh ben, bon courage. Enfin, vous serez libérée, quoi, tout simplement. Allez, madame, bon courage à vous. Je vous laisse l'ordinateur pour faire le hobby. Il est devenu complètement dingue. Je savais pas du tout qu'au Moyen-Âge, on avait déjà des ordinateurs portables. Bon, bah écoutez, les amis, je vais faire l'hobby du donjon et j'espère qu'il va me libérer. C'est parti! Je crois que c'est bon, j'ai atterri dans le donjon. Bon, bah on va essayer de s'échapper, hein. J'ai pas le temps, il y a un levier, on le soulève et on se dépêche de sortir. J'espère que je vais trouver rapidement la sortie. Ok, faut sortir par où? Bon, je crois qu'il faut pas tomber ici. Ok, on fait le tour. Oh, je vois un checkpoint là-bas. Ça veut dire que c'est par là-bas qu'il faut sortir, les amis. On va se dépêcher. Hop là, on valide. Et maintenant, il faut sauter de tonneau en tonneau. Oh non, il y a de la lave partout. Bon, on va se dépêcher. J'ai vraiment, vraiment pas le temps. Et cette fois-ci, je vais essayer de le terminer sans tomber. Hop là, et on valide le checkpoint. Et on continue. Ouh là là, c'est du bois, mais qu'est-ce que c'est? Oh! Bon, on doit sauter d'espèces d'escaliers... en escalier. Comme ça, les amis. On continue à avancer. Et là-bas, je vois une échelle. Donc, ça veut dire direction le prochain obstacle. Ok, je sais pas trop ce qu'il me raconte. Mais ce que je sais, c'est que ce truc, il me fait vraiment flipper. Alors, je vais me dépêcher. Et puis, on va attendre. Un peu de patience. Hop là. Là aussi, je vais attendre. Et c'est une blague? Bon, j'ai compris. Même si je suis devant, il faut pas trop que je m'avance, sinon, bah, sinon mon pied il va prendre cher quoi. Allez hop là, et c'est parti. Et on va encore un peu attendre. Oh non. Ok, cette fois-ci c'est bon, on a réussi. Oh, j'ai eu chaud, j'ai eu vraiment super chaud. Bon, la sortie elle est là, on monte dans le donjon et j'espère que... Bah, j'espère que la sortie elle approche là. Hop là, génial. Ensuite, oh, il y a plein de trésors partout. Bon, on va valider d'abord le checkpoint. Super. Et là, mais qu'est-ce qui se passe? Ok. C'est marqué en quoi? Je crois qu'il faut que je trouve une clé. Bon, bah, c'est parti pour... quoi? Trouver une clé, j'allais dire. Oh non. Ok. C'est vraiment une blague. Bon, bah, elle est où cette clé? Je crois que c'est le dernier coffre, en fait. Ok, le coffre... j'ai cru qu'il était vide, je me suis dit mais c'est une blague. Bon les amis, enfin on a la clé, on va pouvoir ouvrir cette porte. Génial. Et continuer à quitter le donjon. Hop là, on va aller de checkpoint et on continue à avancer. Oh non, il faut absolument pas que je touche ces espèces de... je sais pas trop, de pièges à rats ou à je sais pas trop quoi. Hop là, et on a contourné et on a réussi. Et là, on continue à avancer. Alors, il m'a dit « You can go down ». Ok, donc je peux aller en bas. On va sauter du coup de l'espèce de pont ou de planche en bois en planche en bois. En tout cas, ça me donne le vertige. Ouh, pour l'instant, tout se passe bien. Mais je crois que j'ai vraiment le vertige, les amis. Ok. Oh là là. Bon, finalement, c'était un peu plus simple que prévu. Alors, direction la sortie. Ok. Je crois que là, il faut sauter, mais je sais pas, j'ai l'impression que si je saute, je sais pas trop si je vais être vivante. Bon, apparemment, je suis toujours là. Allez, on continue à avancer. On valide le checkpoint et direction l'espèce de couloir bizarre super long. Ok. Ouh là là, attention, attendez, attendez. Je vois des trucs au-dessus de moi, j'espère que ça va pas tomber. Bon, on va sauter. J'ai l'impression que tout se passe bien. Il faut juste pas que je saute trop haut. Hop là, génial. Et on valide et on continue. Hop là, par là-bas. Et voilà, on va s'en sortir. Ok, super. Et je crois qu'il faut pas toucher le rouge, mais je suis pas sûre. En tout cas, ce qui est sûr, les amis, c'est qu'il faut absolument pas tomber. Parce que j'ai l'impression qu'il y a la lave par terre. Alors, hop là, regardez, vous avez vu, c'est tout rouge. Faut pas que je tombe. Hop là, super. Et c'est validé. Et on est où, là? Bah, on est où? Blague? Ok. C'est quoi ce truc bleu? Vous pensez que si j'entre dedans, c'est un chemin secret? Bon ben on valide et on continue hein. On va pas toucher le jaune mais... attendez, comment je vais faire? Wouh! Ok! Je comprends mieux. En fait, je cours super
super vite et je saute super loin. Du coup, on va réussir ça. Enfin, j'espère que je vais pas tomber. Hop là! Pensez, les amis, que Darkito, il va vraiment me libérer quand j'aurai fini ce hobby, ou bien c'était juste une blague totalement nulle pour que je passe mon temps, quoi. Hop là! Allez, génial! Regardez, les énormes statues, elles font super peur. Ok, donc il y a la lave là aussi. Bon, bah, faut pas que je tombe. J'espère que les planches, elles vont pas non plus tomber, vous voyez? C'est si fou, elle tombe, celle-ci. Bon, heureusement, elle tombe pas. Oula. Ok. J'ai l'impression que je vais devoir grimper beaucoup de trucs. D'accord, on active le levier. Oh, en fait, c'est un pont, ça va. Par contre, je pense qu'il faut que je me dépêche. Imaginez le pont, genre, il... Non, ça va, il n'est pas bougé. Franchement, je deviens complètement parano avec ce hobby donjon, là. Hop là, on valide. Il y a un dragon. Oh non, et en plus il bouge, ça veut dire que s'il bouge, il y a du feu peut-être. Oh oui, effectivement, il y a de la fumée. Bon, on va sauter et on va réussir à s'échapper de son donjon. En tout cas, moi, ce que je remarque, c'est qu'on est à l'extérieur. Hein. Ça veut dire que la sortie, bah, elle approche. Hop là. Ok, super. Bon, bah, on continue à avancer. On valide le checkpoint. Et on continue. Hop là, on saute. Ok, donc de pierre en pierre, comme ça. Et hop là. Et c'est bon, franchement, c'était super simple cette partie. Par contre, c'est quoi ce trou? Il y en a un trou. Ok, on monte le levier, je crois que c'est un ascenseur. Enfin, un ascenseur du temps du Moyen-Âge, hein, parce qu'excusez-moi, ça existe plus ce truc-là, et heureusement d'ailleurs. Hop là, on monte, bah écoutez, tout en haut apparemment. Hein. J'espère que la sortie, elle est pas loin, on valide. Et là, je crois qu'il faut absolument pas que je touche la lave. Alors, on va faire attention, j'espère que je vais pas perdre. Et super, on a gagné. Et là, on monte à l'échelle. Hop là, tout en haut du donjon. Enfin, je crois que c'est un donjon, ça aussi. Hop là. Oh non, je crois que j'ai envie de faire demi-tour. J'aurais vous, c'est la tête d'un dragon et il faut que j'aille à l'intérieur de sa bouche. Mais c'est dégueulasse, les amis, c'est dégueulasse, vraiment. Oh non, regardez, c'est sa gorge. Pourquoi est-ce qu'à chaque hobby, je finis? Oh non. Bon bah dans la lave aussi c'est vrai. Mais j'allais dire qu'à chaque hobby je finis toujours dans leur gorge, puis dans leur intestin. Ok, ok, j'ai réussi. Je sais pas comment. On va sauter de crâne en crâne. D'ailleurs comment est-ce que... Oh non. Comment ces crânes ils ont atterri dans sa gorge? Mais c'est complètement dégueulasse les amis. Ça veut dire que... Oh non non non. Ok, on va y arriver. Oh oui. Et on continue. Oui. Bon, ça va pour l'instant. Oh là là, les amis, on a enfin réussi cet obstacle. On va aller le checkpoint, et oui, enfin. Et là, je crois que je suis toujours dans sa gorge, ou bien, je sais pas trop où, dans son estomac, ou un truc dans le genre. En tout cas, j'espère que je vais vite sortir. Enfin, comment dire, ça reste un dragon, donc je sais pas trop par où je vais sortir, en fait. Oh non, on va recommencer. Hop là, finalement, je crois que j'ai trouvé, en fait, la technique. Comme ça, et on valide. Oh non, le damier, hop là, on va faire attention, on y va lentement, comme ça. Et oui, oh regardez, c'est dégueulasse. Ok, bon, apparemment, ça va les amis, je suis pas passée dans ses intestins, enfin, je pense. Donc on va prendre l'échelle et grimper tout en haut, apparemment. Bon, ben voilà, on grimpe, hein, c'est super long. D'ailleurs, les amis, vous aimez bien ma tenue? Parce que... Je me trouve vraiment belle, hein, en mode Moyen-Âge. Vous en pensez quoi? Bon, en tout cas, moi, ce que je trouve, c'est que Darkito, il a perdu complètement la tête. Il est supposé m'aimer et il me prend pour une domestique. Alors, il faudrait peut-être le réveiller un peu en commentaire aussi et lui rappeler que je suis Miss Darkito. Je suis pas une inconnue, quoi. Ok, bon, ben, on active le levier et on va reprendre un ascenseur du Moyen-Âge. Allez. Bon, enfin un endroit où j'ai pas besoin de monter à l'échelle. Génial, on est bientôt arrivé. Et hop là, on est arrivé. Et on sort par là, et maintenant j'espère qu'il n'y a plus d'obstacles. Je croise les doigts. Oh, oulala, là, c'était haut. Bon, on continue à avancer. Et j'ai l'impression de voir quasiment la sortie quand même. En tout cas, le gros dragon là-bas, il me fait toujours aussi peur, même si j'ai fini à l'intérieur de lui. Ok. Bon bah cette route est super longue. C'est interminable. Ok, génial, c'est bon. On a réussi et je crois que c'est la sortie. Enfin, je crois, je suis pas sûre. Oh, ça ressemble à une sortie, les amis. Ça veut dire qu'on a validé le checkpoint final. Oh oui.
Oh oui, 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 ça veut dire qu'on a réussi. Oh, je suis trop contente. Bon les amis, je crois que j'ai réussi à m'échapper du donjon. Donc c'est bon. Darkito, tu peux me libérer, c'est bon, j'ai réussi le hobby. Libère-moi. Bon, tu sais quoi? On va faire un truc. Je sais que tes abonnés ils sont gentils, mais j'ai besoin de le vérifier. Tu sais quoi? On va faire un truc vraiment super intéressant. C'est les abonnés qui vont choisir si elle est libre ou pas. Vous dites en commentaire si je dois la libérer ou si je ne dois pas la libérer. Allez, choisissez-vous. C'est une blague, je me suis fait totalement avoir. J'ai cru que t'allais me libérer et au final... Oh là là, s'il vous plaît les amis, aidez-moi. Aidez-moi, aidez-moi, vraiment, vraiment, j'en ai marre d'être ici. Bon, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à regarder d'autres vidéos. Et n'oubliez pas de vous abonner à mon Insta.